Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo et pour ma part je suis très content de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo aux petits oignons. On va se faire du bien, on va se faire plaisir puisque je vais vous faire découvrir tous les outils qu'on utilise en magie, en sorcellerie. Après ce sont des outils que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser si vous êtes sorcière, wiccan, etc. Hein, vous n'êtes pas obligé d'évoluer dans la branche de la sorcellerie pour utiliser les outils que je vais vous montrer. Ça peut venir appuyer vos prières, vos demandes, etc., etc. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les outils, mais c'était au tout début de la chaîne, et comme au début de la chaîne on était à peine 1000 personnes, hein, et comme entre temps quand même on a exponentiellement explosé donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous réactualiser ça et de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut utiliser de façon courante dans les pratiques magiques. Alors, avant de commencer, je tiens quand même à vous préciser quelque chose, c'est que ce ne sont pas les outils qui vont venir définir votre magie ou rendre vos rituels plus forts, pas du tout, puisque ça, je vous l'ai toujours dit, la magie, elle est en vous, votre pouvoir et votre potentiel, ils sont en vous, et les outils sont juste là pour vous aider à poser vos intentions, pour, on va dire, peut-être organiser votre vœu, pour essayer de donner une direction à vos rituels, mais en aucun cas, ce sont les outils qui vont conférer des pouvoirs magiques, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, autre chose. Tout ce que je vais vous présenter, ce n'est pas parce que c'est moi qui vous le présente que ça veut dire qu'il faut impérativement avoir la même chose que moi, qu'on soit bien d'accord. Lorsqu'on commence la magie, très souvent, on n'a pas grand-chose, voire rien. Hein. J'ai commencé et j'avais rien. Donc surtout, ne stressez pas et ne paniquez pas en vous disant « Oh là là, j'ai pas ça, ça va pas marcher, etc. » Non, que nenni, que nenni, que nenni. Puisque la magie, comme je vous l'ai dit, n'a pas besoin d'avoir des outils spécifiques pour qu'un rituel fonctionne. C'est surtout votre intention et l'énergie que vous allez placer dedans qui fera que le rituel va fonctionner. Hein, c'est pas les outils. Donc pareil, ça sert à rien aussi d'acheter des articles qui sont excessivement chers. Et là, je pense... Alors, c'est pas du vol, hein. Je pense bien sûr à des amis commerçants, ils sont commerçants, donc il faut aussi qu'ils fassent leur beurre, c'est normal. Mais j'avoue qu'il y a des outils que vous pouvez vous procurer beaucoup plus facilement et pour beaucoup moins cher. Donc pour ceux qui ont des petits budgets, je vous invite à vous diriger vers des brocantes, des choses comme ça. Ou la plupart des, franchement, la plupart des outils que je vais vous montrer, dans les brocantes, vous pouvez trouver ça très facilement. Entre autres, il y a un outil que je vais vous présenter, celui-ci, je me gage que vous en trouvez un à chaque fois que vous faites une trocante, ou vous savez aussi ces magasins spécialisés dans l'achat-revente de mobilier, d'objets, tout ça. Je sais pas si vous en avez près de chez vous, mais là aussi vous pouvez faire des super bons coups pour quelques centimes d'euros. Oui, oui, je vous assure, pour quelques centimes d'euros, vous pouvez trouver certains outils. Alors, les outils magiques, déjà, on va faire un petit peu d'histoire par rapport aux outils magiques. Il y a une sorte de folklore autour des outils magiques, puisque à l'époque où on pratiquait vraiment la sorcellerie dite classique, donc la sorcellerie européenne médiévale, après il y a plusieurs formes de magie, mais je vais pas m'étaler sur toutes les formes de magie. Quoique, ça pourrait être intéressant de voir que dans beaucoup de civilisations et dans beaucoup de cultures, à travers le monde et à travers les époques, on retrouve des outils quand même assez similaires. Hein. Je prends par exemple le calice, la dague, etc. Il y a quand même des outils comme ça qui sont spécialisés pour les rituels et qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, que ce soit les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques, etc., etc. Il y a beaucoup de cultures où on retrouve des objets quand même très similaires. Donc on va dire qu'il y a comme ça des objets un petit peu universels.
qui sont empreints de croyances, qui sont empreints d'égrégores, qui sont habités par des égrégores, puisque forcément quand vous avez un objet dans lequel l'humanité a donné de la foi pendant des centaines, voire des milliers d'années, et ben ça confère un certain pouvoir à l'objet de base. Mais même, comme si je vous l'ai dit, un outil reste un outil et ce n'est pas l'outil qui va faire votre magie. Mais cependant, ça peut être bien d'avoir des outils qui vont vous permettre de vous imprégner et de vous immerger davantage dans votre pratique, hein, puisque je vous rappelle que tout ce qui peut vous aider et vous conditionner dans votre pratique magique, tout ce qui peut vraiment représenter une aide, eh bien, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, par quoi on va commencer? Parce qu'il y en a quand même pas mal, donc je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. On va peut-être commencer, bah tiens, par le premier outil que j'ai sous les yeux, à savoir le plus emblématique de tous les outils utilisés en sorcellerie, il s'agit du chaudron. Le chaudron, c'est le fameux outil dont je vous parlais, que je vous disais que vous pouvez trouver sur n'importe quelle brocante, hein, c'est sûr, ce type de chaudron comme ça en cuivre avec les trois pieds, tout ça, vous pouvez très facilement en trouver et très souvent pour des prix, moi je sais que celui-ci, je l'avais trouvé dans une brocante, je l'avais payé je crois 3-4 euros, je vous promets, je vous mens pas les amis, je l'avais payé 3-4 euros. J'en ai plusieurs tailles, et je vais vous parler d'ailleurs justement du chaudron, qui peut être bien d'en avoir à mon sens au moins deux. Je vais vous expliquer pourquoi, même si un seul suffit largement, qu'on soit bien d'accord, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, le chaudron, il est le symbole de l'eau et le symbole de la terre. Moi, personnellement, je l'associe quand même plus à l'eau. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va contenir beaucoup de liquide, c'est lui qui va contenir, et puis c'est le symbole, enfin... Essayez dans la symbolique des outils de faire des choses simples. N'allez pas trop loin, il faut que les choses puissent vous parler, ça c'est important. C'est-à-dire que pour moi, le chaudron, je l'associe à l'eau, mais si pour vous, le chaudron, vous l'associez à l'élément de l'air, du feu, parce que c'est du métal, parce que ça a été forgé, etc. Donc du coup, c'est empreint de feu, etc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas un code qui vous dit tel objet égale tel signe. Non, il faut que ça vous parle à vous. Donc si pour vous, le chaudron, ça ne représente pas l'eau, que ça représente le feu, et ben vous prenez le feu, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais en principe, on va dire dans la tradition un peu puriste, le chaudron est associé à la terre et à l'élément de l'eau. C'est aussi le symbole du féminin sacré. Pourquoi? Parce que ben, il va faire penser au ventre, à la matrice, hein, dans laquelle la vie se crée. Et puis le chaudron a des courbes, a des formes, a des rondeurs par rapport à son analogue qui est l'atamé, qui lui va être la représentation phallique du masculin sacré. Je vous fais pas un dessin, vous aurez compris pourquoi, hein. Mais c'est vrai que l'atamé, il a des lignes droites comme ça, il est, puis là cette représentation, hein, bon bref, on va pas épiloguer dessus. Donc le chaudron, c'est vraiment le féminin sacré, c'est l'élément de l'eau. C'est aussi pour ça qu'il est associé à l'élément de l'eau, puisque le féminin sacré très souvent l'associe à l'élément de l'eau, hein, l'élément des émotions, des sentiments, etc., de la vie créatrice, etc. Donc, le chaudron, pourquoi je vous recommande d'en avoir deux? Parce que, moi par exemple, ce petit-là, je vais plutôt l'utiliser pour tout ce qui est incinération. Si j'ai besoin de brûler des petits papiers, si je fais des rituels spécifiques où j'ai besoin de brûler des choses, parfois même je l'utilise comme encens, c'est-à-dire que je vais mettre mon charbon à l'intérieur avec mon encens, ou si j'ai besoin de brûler des plantes, etc., etc. Et c'est vrai que, on va dire, hygiénement parlant, c'est pas terrible en fait de faire brûler des trucs à l'intérieur puis ensuite de l'utiliser pour réaliser des potions rituelles ou des cataplasmes, des baumes, des filtres qui vont se boire, etc. Même si mon chaudron quand même est bien lavé et lavé régulièrement, je trouve pas ça, énergétiquement parlant, je trouve pas ça terrible, parce que du coup on brûle des choses, on brûle des idées. Par conséquent, c'est un peu comme si on allait consacrer le chaudron à quelque chose, et quand on va faire une potion, la potion est consacrée à autre chose. Donc vous voyez, ça peut un petit peu mélanger les intentions et les énergies. C'est moi qui parle, hein. Peut-être que pour certains vous n'avez pas du tout ce problème, mais c'est vrai que moi je me focalise sur cette idée là donc c'est pour ça que en principe j'ai plusieurs chaudrons. Donc le petit qui me sert d'incinérateur, après j'en ai un petit peu plus gros que je vais utiliser pour mes potions rituelles ou pour consacrer des plantes, etc. Et puis après j'en ai encore des beaucoup plus gros quand je fais des sabbats en extérieur, ou qui a besoin, pourquoi pas, de préparer aussi des choses alimentaires, hein. Ça peut arriver par exemple pour les sabbats, de faire une bonne soupe de légumes. Si je prends par exemple, bah tiens, on va prendre pour Mabon ou Lunasa, comme c'est la fête des récoltes, et ben j'aime bien réaliser par exemple un bon potage à l'extérieur.
le chaudron qui chauffe comme ça sur le feu, hein. C'est voilà, on se met encore plus dans l'ambiance. Donc moi je vous recommanderais d'avoir deux chaudrons pour ceux qui peuvent, mais sinon un seul ça suffit très bien, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc le chaudron, c'est vraiment l'outil, j'ai envie de dire, de base de votre pratique magique. Après le chaudron, sachez quelque chose, c'est que prenez éventuellement des accessoires que vous avez déjà dans votre cuisine, puisque n'oubliez pas qu'une sorcière à l'époque, elle prenait des choses qui étaient dans sa cuisine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé les rituels de consécration, parce qu'en fait on va ôter la nature première de l'objet pour lui donner une autre fonction. Mais si vous avez des outils magiques qui sont uniquement consacrés à votre pratique magique, vous n'avez pas besoin de les consacrer. C'est-à-dire qu'une fois vous faites un bon rituel de consécration une fois pour dire désormais, chaudron, aujourd'hui tu vas m'accompagner dans ma pratique magique, etc., etc., etc. Une fois qu'il est consacré, vous n'avez plus besoin de le consacrer puisque c'est un outil qui sera spécial et dédié à votre pratique magique. Mais sinon, si vous voulez prendre par exemple une vieille casserole, moi sachez que j'ai commencé avec un vieux cathlon de fondue. Et ben n'empêche, c'est super pratique parce que le cathlon, donc vous avez la casserole, hein, le faitout en fonte, et vous avez en dessous le petit brasero, donc c'est super, ça vous fait l'ensemble pour chauffer vos potions et tout, et je trouve ça extra. Donc le cathlon de fondue, honnêtement, moi j'ai commencé avec ça et je trouve que c'est top, c'est le meilleur en fait. Donc n'hésitez pas à utiliser des objets que vous avez déjà dans votre cuisine, que vous allez détourner, vous faites votre petit rituel de consécration pour dire aujourd'hui tu n'es plus un cathlon de fondue mais tu es mon chaudron rituel, etc., etc. Et une fois que vous avez fini votre rituel, vous allez pouvoir le entre guillemets déconsacrer pour le remettre à son utilisation première. Donc le chaudron. Bien sûr, on va continuer avec l'analogue du chaudron, à savoir la tamée. La tamée, je pense qu'il n'y a plus vraiment le besoin de le présenter. Vous savez tous ce que c'est qu'un tamée. Alors la tamée, par contre, c'est plus issu de la culture Wiccan. Même si, comme je vous l'ai dit, dans beaucoup de civilisations, on retrouve des poignards et des dagues rituels, hein, que ce soit chez les Égyptiens, que ce soit dans plein de cultures, on retrouve beaucoup de dagues cérémonielles. Donc, Wiccan, oui et non, j'ai envie de dire, hein, c'est quand même un outil qui est assez universel. Alors, la tamée, qu'est-ce que c'est exactement ? Traditionnellement, c'est un petit poignard, c'est pas du tout une grande dague comme ça. C'est un petit poignard, donc plutôt de cet ordre-là, un petit poignard à manche noire avec une lame double tranchant. Voilà. Si possible, alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire qu'il faut que la lame soit émoussée parce qu'on n'a pas besoin de couper, etc., etc. Oui et non, là encore, c'est-à-dire que moi je fais plutôt partie de l'école où il faudrait plutôt que la lame soit un petit peu affûtée. Pourquoi ? Parce que l'atamé, ça va vraiment être votre couteau suisse de sorcière. Vous allez pouvoir l'utiliser pour réaliser beaucoup de choses, que ce soit déjà pour graver des runes sur des bougies, que ce soit pour éventuellement couper, cueillir vos plantes quand vous êtes à l'extérieur. Bien que, vous allez le voir, je vais vous montrer, vous avez la boline qui est la serpe, hein, pensez à Panoramix avec sa serpe. Voilà, et ben très souvent donc c'est une serpe en demi-lune comme ça avec un manche blanc, c'est l'analogue de l'atamé justement puisque l'atamé est un manche noir. Mais voilà, si vous voulez pas investir parce que c'est vrai que les bolines c'est assez cher quand même, la mienne elle a pas mal d'années et je l'avais payé déjà un petit quelque chose, hein. Je crois que je l'avais payé une quarantaine d'euros et aujourd'hui les bolines que j'ai vues elles sont pas vraiment à 40 euros, elles sont un petit peu beaucoup plus chères quand même, hein. Donc prenez un atamé, ça va très bien, ça sera votre couteau suisse de sorcière. C'est à dire que l'atamé, alors là aussi l'atamé, il y a une sorte de grand débat. Il y en a qui sont... On est un peu partagé parce que il y en a qui vont l'associer à l'élément de l'air. Moi, je l'associe à l'élément du feu. Pourquoi ? Parce que l'atamé, c'est du métal qui a été forgé, qui a pris vie dans la forge, dans le feu, dans les cendres. Et du coup, j'ai beaucoup de mal en fait à visualiser l'atamé comme une connexion avec l'air. J'arrive pas. Ça me parle pas en fait l'élément de l'air pour l'atamé. Donc moi, je l'associe plutôt à l'élément du feu. Mais libre à vous de l'associer avec l'élément de l'air, si vous voulez. Hein. Y a pas de problème. Donc l'atamé, je vous montre le mien. Si le mien vous intéresse, alors je l'avais trouvé sur une boutique qui s'appelle
épée médiévale, je sais plus quoi. Je vous mettrai le site en lien en barre d'infos. Ils sont super bien, je leur ai déjà commandé plein de produits, franchement, ils sont topissimes. Et celui-ci, j'avais flashé dessus, bah regardez, je vous montre pourquoi, hein, parce qu'il y avait le pentacle qui était gravé dessus. Sur le pommeau, on voit plusieurs triquetras, hein, on est plutôt sur quelque chose d'assez celtique, qui est à la fois très simple, mais en même temps qui représente tellement bien ce que j'adore que du coup, j'avais complètement flashé sur celui-ci. Et je l'avais pas payé cher. Hein, sans vous mentir, je crois que celle-ci je l'avais payée une quinzaine d'euros. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est pas très cher. Honnêtement, c'est pas très cher. Par contre, là, on va plutôt avoir une lame qui est émoussée sur les côtés par rapport à celui-ci. Alors attention! Attention à celui-ci parce que celui-ci vous pouvez aussi le trouver sur le site. Il est à 9 euros. Par contre, pour l'avoir vu en vrai, j'avoue que j'ai été un peu déçu sur la qualité parce que le mien, je l'avais trouvé sur, si je vous dis pas de bêtises, c'était sur eBay. C'était il y a 15, il y a bien 15 ans puisque j'étais dans mon premier appartement. Et le mien, honnêtement, il est de meilleure manufacture, il est de meilleure qualité par rapport à celui qui propose sur le site. En même temps, le mien, je l'avais payé 25 euros par rapport à celui-ci qui est à 9 euros sur le site. Et honnêtement, on sent quand même la différence. Donc, prenez peut-être pas le tout premier prix, sauf si vous avez un petit budget, hein, ça vous suffira amplement. Si vous avez un petit budget, comme je vous l'ai dit, ne vous sentez pas, ne vous forcez pas à dépenser de l'argent. Si vous avez des petits budgets, prenez des choses simples, hein, parce que ce qui compte dans la tamée, c'est sa représentation, surtout, c'est sa symbolique. Il faut au moins qu'il ait le manche noir, qu'il soit à lame double tranchant, et tant qu'il vous permet de graver des runes, de couper des plantes, etc., ça suffit largement, d'accord? Hein, on va pas poignarder des gens avec. Donc, l'atamé, à quoi il va servir? Donc l'atamé, comme je l'ai dit, c'est le couteau suisse de la sorcière, mais il va aussi permettre de vous connecter avec les éléments. Si par exemple vous ordonnez des choses à l'élémental, par exemple on va dire de l'air, et que vous voulez ensuite connecter à la terre, vous allez venir planter votre atamé dans la terre. Ça permet de pouvoir... Alors, ça peut être un peu utilisé comme la baguette, l'atamé. C'est-à-dire que si vous voulez lancer votre intention, si vous voulez diriger quelque chose, si vous voulez couper un cercle de façon symbolique, hein, quand le cercle est tracé, c'est mieux quand même de le rompre avec l'atamé. Pareil, si vous voulez couper d'autres choses, si vous voulez graver des sigils dans l'air, etc., etc. L'atamé, c'est vraiment l'outil, j'ai envie de dire, presque indispensable aussi de la sorcière. Voilà, ensuite par quoi on va continuer? Ben par quoi? Par quoi? Ben bien sûr, on va continuer après par la coupe. On va continuer par le calice. Alors, pareil, celui-ci, je l'ai trouvé dans une brocante et il m'a coûté, écoutez bien les amis, je me souviens encore du prix, il m'avait coûté 1 euro. 1 euro seulement et il est en laiton. Donc, je vous défie, les amis, de trouver mieux, franchement. Alors, le calice, pareil, c'est un outil quand même assez important dans la pratique, parce qu'il va représenter bien sûr l'élément de l'eau, c'est là où on va mettre l'eau. Hein, dans l'extrême, si vous deviez choisir entre le calice et le chaudron, il vaut mieux que vous preniez un chaudron, parce que le chaudron, c'est vraiment l'outil polyvalent dans lequel vous allez pouvoir tout faire. Vous allez pouvoir mettre de l'eau, bien sûr, donc il va pouvoir vraiment devenir un réceptacle à l'élément de l'eau. Le calice, ça va plus être pour représenter l'eau sur votre rituel. Ça va être aussi pendant les fêtes de communion ou de cérémonie pour pouvoir célébrer. Alors là, on va essayer de laisser tomber les clichés de l'église avec la communion. Mais c'est dans l'idée. C'est dans l'idée, c'est-à-dire que le calice peut aussi devenir une coupe dans laquelle on va mettre le vin qui va servir soit d'offrande, qu'on va consacrer, qu'on va faire passer de frères et sœurs, etc. Donc le calice associé à l'eau, et le calice, vous allez pouvoir mettre eau, vin, jus de fruits, voilà, tout ce qui est liquide, tout ce qui est boisson, que ce soit en offrande ou que ce soit pour vos rituels sur votre autel. Pareil, le calice, quand même, c'est un outil assez important. Pas forcément indispensable, mais assez important. Après, bien sûr, on va avoir l'encens qui lui est rattaché à l'élément de l'air, évidemment. Donc l'encens, vous en avez des centaines de porte-encens. Vous avez les petits simples. Il est où le mien? Vous avez, oh, je peux le chercher, il est là derrière l'étagère. Vous avez des petits porte-encens, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez des plus travaillés, voilà, avec la petite grille. Je sais pas si vous allez voir avec la petite grille à l'intérieur. Là, c'est pareil. Vous choisissez ce que vous préférez.
Mais éventuellement, ce que je pourrais à la rigueur vous conseiller, commençant, c'est, vous savez, ceux qu'on trouve dans les églises. Alors, on arrive à en trouver sur Internet, c'est ceux avec les chaînes et que vous voyez, que vous pouvez faire balancer comme ça. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont super pratiques dans le sens où vous pouvez à la fois le poser sur votre autel, mais vous pouvez aussi le prendre avec vous sans vous brûler, hein, parce que concrètement, un porte-encens, c'est joli, mais dès que vous allez mettre votre charbon, je vous précise quand même que le charbon monte à plus de 800 degrés, donc forcément, ça va chauffer toute la partie en métal, hein, donc concrètement, on risque pas de l'attraper comme ça, on va éviter, hein. Donc, c'est bien d'avoir la petite chaîne parce que comme ça, quand vous ferez des sabbats à l'extérieur ou si vous faites des rituels à l'extérieur, ça peut être bien de pouvoir purifier du coup autour de votre cercle, purifier votre espace, vous promener en fait avec votre encens ou pour faire des processions, ça peut être pas mal du tout. Attention pour les encens, ça par contre j'y tiens beaucoup, s'il vous plaît, évitez de m'utiliser des encens en bâton pour faire vos rituels. Pour moi, j'ai deux catégories d'encens, j'ai les encens d'ambiance et j'ai les encens de travail. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est que les encens d'ambiance? Les encens d'ambiance, ça va être tout ce qui est les petits cônes, les bâtons, les, voyez, tout ce qu'on peut mettre, tout ce qu'on peut trouver, j'ai envie de dire, dans des magasins de déco, hein. Tout ça, c'est des encens pour sentir bon, pour donner une ambiance, pour vous aider éventuellement à vous concentrer quand vous faites de la cartomancie, etc., du spiritisme, éventuellement, même si dans le spiritisme, on peut utiliser de l'encens de travail, et vaut mieux utiliser de l'encens de travail. Mais voyez, c'est plus pour donner une ambiance, pour donner une bonne odeur dans la maison, mais voilà, l'encens d'ambiance, tout ce qui est bâton, cône, etc., pour moi, sont des encens d'ambiance. Après, bien sûr, si vous n'avez pas les moyens, comme je viens de vous le dire, hein, ne vous ruinez pas non plus à acheter plein de choses, donc vous faites avec ce que vous avez, il n'y a pas de problème, d'accord? Ce qui compte, c'est l'énergie et l'intention que vous mettrez dedans. Mais j'avoue quand même, pour travailler la magie, il vaut mieux travailler avec des encens de travail. Donc, qu'est-ce que c'est que les encens de travail? Eh bien, c'est le charbon traditionnel avec les différentes résines. Je vais pas vous faire tout un speech sur les résines hein, parce qu'il y en a à tire-larigot, les résines là par exemple, vous voyez, vous avez l'encens de dragon. Vous avez le plus classique. Alors, si j'en avais un seul à vous recommander, qui est plutôt polyvalent, et on pourrait dire que ce serait un peu le paracétamol des encens, pour moi en tout cas, c'est l'encens pontifical. C'est un encens que vous connaissez tous et toutes, puisque c'est cette odeur emblématique qu'il y a dans les églises, hein. L'encens pontifical, c'est vraiment un encens qui est très utilisé dans l'univers ecclésiastique. C'est un encens qui sent très bon en plus et qui, je trouve, est très polyvalent. Vous allez voir que juste l'odeur, la fragrance de l'encens va tout de suite vous plonger dans une ambiance mystique. Déjà, je pense que vous êtes tous rentrés dans une église au moins une fois dans votre vie et vous savez, il y a cette ambiance quand même un peu particulière. Même si on n'est pas chrétien, même si on ne croit pas, quand on pénètre dans un temple, dans une église, il y a cette ambiance, d'un coup, il y a cette ambiance mystique qui se dégage. Et bien du coup, juste le fait de sentir cette odeur, vous allez visualiser l'intérieur d'une église, d'une cathédrale, tout ça, et ça peut vous aider à vous conditionner dans cette ambiance mystique. Donc si j'en avais un seul à vous recommander, ce serait le pontifical. Et puis après, bien sûr, ce sera en fonction du travail que vous avez besoin de faire. On va pas forcément utiliser les mêmes encens à chaque fois, mais j'ai envie de dire que l'encens pontifical, si vous voulez débuter, il est très bien et il fera pour tout. Que ce soit spiritisme, rituel, etc., etc., il fera pour tout et sera très bien. Je vais vous donner aussi une petite astuce pour bien utiliser vos encens. Lorsque vous allez allumer votre charbon, mettez de la cendre par-dessus. C'est-à-dire que lorsque vous aurez déjà brûlé un charbon, vous récupérez la cendre et vous allez mettre par-dessus votre charbon et ensuite vous mettrez vos grains sur la cendre. Pourquoi? Parce que du coup, c'est tout simple en fait et c'est tout bête. Si jamais vous posez votre résine directement sur le charbon ardent, ça va saisir la résine, ça va la brûler et en fait l'odeur qui va s'en dégager, ça va être une odeur de brûlé. Vous n'allez pas profiter vraiment pleinement de l'odeur de la résine. Que si vous mettez de la cendre par-dessus le charbon, du coup lorsque vous allez poser vos grains, la résine va fondre. Elle va pas être saisie, elle va pas être carbonisée en surface, mais elle va vraiment fondre et elle va vraiment diffuser les parfums de votre résine et vous allez voir, ça fait une très très grosse différence, vraiment. Donc conservez toujours un petit peu de cendre et vous mettez par-dessus votre charbon et ensuite vous placez vos résines par-dessus.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien sûr, on va avoir le sel, hein. Le sel, c'est très important. Donc, je vous invite. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter des coupes pour placer vos affaires, hein. Dites-vous bien quelque chose, c'est que tout ce que j'ai dans mon cabinet, je l'ai accumulé en 20 ans, hein. C'est pas sorti comme ça en un mois. C'est 20 ans de recherche, de fouilles, de brocantes, de machins. Donc, prenez votre temps, d'accord? Si vous venez de commencer, ne vous mettez pas la pression en vous disant, mais quand je vois Joe tout ce qu'il a, s'il faut que j'ai tout ça, j'arriverai jamais. Non, mais on parle de 20 ans d'accumulation, hein, et en plus d'achats compulsifs. Donc, respirez, ne stressez pas, ne vous comparez pas à moi, surtout pas, ni à moi, ni à personne d'autre d'ailleurs, hein. Votre pratique magique, c'est la vôtre. Donc, vous faites avec vos outils, vous prenez ce qui vous parle, vous utilisez ce que vous avez, vous achetez si vous voulez vraiment acheter, mais ne vous ruinez pas non plus, c'est pas utile. Donc le sel. Le sel, pareil, vous allez plutôt partir sur du gros sel. Je préférerais que vous preniez du gros sel, le gros sel blanc, vous savez. Pas du sel fin. Pourquoi? Parce que le sel fin, type la baleine, hein, c'est du sel en fait qui est quand même traité. Alors, traité, je connais les processus de traite. Hein, d'ailleurs, si vous avez la Aigues-Mortes, tout ça, vous avez les salins. C'est traité naturellement. Mais en fait, le sel fin, il va peut-être... Enfin, il va bien pour, à la rigueur, faire les cercles, tracer les cercles. Mais à utiliser dans les rituels, je trouve pas ça pratique parce que bah, déjà le fait qu'il soit fin, du coup on peut pas le prendre, on en fout partout, c'est pas pratique en fait. Et le fait qu'il soit fin, alors c'est pour moi, c'est dans ma tête, hein, c'est psychologique, mais le fait qu'il soit fin, du coup j'ai l'impression qu'il est moins efficace, qu'il filtre moins, c'est complètement débile ce que je vous dis. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il filtre moins, qu'il est moins efficace, je sais pas, c'est psychosomatique. Donc prenez plutôt du gros sel, un sachet de gros sel, ça va vous coûter 50 centimes, donc c'est vraiment pas ça qui va vous ruiner. Après, si vous voulez partir sur d'autres types de sel, vous avez le sel d'eau, que ce soit océan ou mer, et vous avez le sel de terre. Comme le sel, quand même, c'est un élément qui est associé à la terre, qui est là pour ancrer, pour apporter une énergie rattachée à la terre, il vaut mieux partir sur un sel de terre. Et par conséquent, vous avez le sel rose d'Himalaya ou le sel noir d'Himalaya. Celui-ci, il est extrait de mine. Il est extrait de la terre. Alors pareil, c'est un petit abus de langage. Là, je vous fais un petit point culture. C'est un abus de langage de dire sel d'Himalaya parce qu'en fait, il provient pas d'Himalaya. Il vient de certaines carrières qui sont bien en dessous, type Kazakhstan, tout ça, tous ces pays-là. En plus, il y a une grosse polémique. J'avoue que le sel rose, quand on sait comment il est extrait, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans ces mines-là, ou des adultes aussi, qui sont payés, c'est le cas de le dire, à coups de pierre, dans des conditions absolument épouvantables. Donc j'avoue que le sel rose, voilà, il y a des choses, je suis pas forcément en accord dessus. Bon, le sel noir, c'est pareil, mais j'ai envie de dire qu'est-ce que vous voulez faire. Ouais, c'est compliqué, c'est un sujet à débat, c'est compliqué. Donc, je pars moi sur du sel noir d'Himalaya. Alors, je vais essayer de vous montrer, je vais prendre le plus gros grain, mais effectivement, je sais pas si vous allez voir, on est vraiment plutôt sur une espèce de pierre concassée. Qui est salé aussi, hein, c'est salé, hein. Mais c'est du sel qui est issu de la terre, donc du coup qui va être empreint des énergies de la terre par rapport au sel de mer ou d'océan qui lui va plutôt avoir une énergie rattachée à l'élément de l'eau, hein, donc ça dépend du travail que vous voulez faire avec. Ensuite, on va avoir bien évidemment la chose la plus classique qu'il peut y avoir dans la pratique magique, à savoir le pentacle. Le pentacle, ça c'est vraiment l'outil indispensable puisque c'est l'élément de la terre par excellence, hein. Il va symboliser aussi les cinq éléments, à savoir l'eau, la terre, le feu, l'air et l'akasha qui est l'esprit. Il représente aussi dans une façon plus alchimique le corps de l'homme, hein, avec la tête, les deux bras et les deux jambes. Et le cercle, alors faut bien distinguer pentacle et pentagramme. Le pentagramme, c'est juste l'étoile à cinq branches sans le cercle. Le pentacle, c'est avec le cercle. Et très souvent, le pentacle, il va plutôt être plus petit. Ça va plus souvent être un petit pendentif, un petit bijou. Ça peut être un petit disque de pierre, par exemple, de bois ou de métal. Voilà, qui va être frappé du sceau du pentacle. Par rapport au pentagramme qui va être juste l'étoile à cinq branches. Pour ma part, votre pentacle d'hôtel, s'il y a bien quelque chose dans lequel vous pouvez à la rigueur investir et vous faire plaisir, ce sera vraiment le pentacle.
Le pentacle, je vous recommande de le prendre soit en bois, soit en pierre, soit en métal. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment qu'il soit connecté avec la terre. Donc il faut un matériau qui lui-même soit issu de la terre, d'accord? Après, comme je vous l'ai dit et redit, ne vous sentez pas obligé d'investir et d'acheter. Vous imprimez un pentacle sur une feuille, ça peut très bien aller aussi. Vous le dessinez ou avec des branches aussi, hein. Vous partez en forêt, vous ramassez 5 branches. Des petites branches d'environ 20 cm et vous faites votre propre pentacle. Regardez par exemple si je prends ce que j'ai réalisé pour ma bombe. Voilà, je l'ai fait tout ce qu'il y a de plus simple. Des branches, ça c'est des branches de saule parce que le saule il a cette capacité d'être assez flexible. Donc des branches de saule qu'ensuite j'ai entouré, de la ficelle pour tenir et ça va très très bien. Franchement, il aura le même pouvoir, sinon plus parce que c'est vous qui l'aurez réalisé. Donc déjà vous allez y mettre vos propres énergies et c'est même mieux hein, de le faire. Moi je sais que je suis pas toujours fan pour acheter. Il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on voudrait, certains d'entre vous sont pas forcément manuels, et c'est vrai que des fois, on voudrait avoir des jolies choses, des jolis objets, mais on n'est pas bricoleur, ou on n'a pas les outils pour faire, etc., etc. Donc oui, on va acheter, mais autant que possible, en magie, vaut mieux quand même fabriquer. C'est quand même mieux parce que du coup, vous allez y donner beaucoup plus d'énergie lorsque vous allez fabriquer vos objets. Donc, pentacle, ça c'est un classique. Certains vont l'utiliser la pointe en bas, certains la pointe en haut. Je vais pas m'étaler sur le sujet, qu'on soit bien d'accord. Le fait d'utiliser la pointe en bas, c'est pas du tout lié au satanisme et compagnie, d'accord hein. Donc on arrête les clichés avec ça. Mais je vous en parlerai de la symbolique, justement de la symbolique des symboles. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est à l'envers, quand c'est à l'endroit, etc. Un exemple tout bête, la croix par exemple, la croix chrétienne. La croix latine. Très souvent, on représente les sataniques avec la croix à l'envers. Non, en fait, c'est pas qu'elle est à l'envers, c'est qu'elle est au sol. Et elle symbolise la liberté, justement, le fait de ne pas être attaché. Parce qu'il faut bien se rappeler de quelque chose, c'est que la croix latine, c'est pas du tout un symbole positif, puisque c'était là où vous mouriez quand vous étiez un voleur, un tueur, n'importe quoi, vous finissiez sur une croix. C'est pas propre à Jésus-Christ. Hein. À l'époque, il y a 2000 ans, la façon de tuer, c'était la crucifixion. Donc le fait d'avoir une croix droite, ça symbolise la condamnation, le jugement, la mort. Et le fait d'inverser la croix, c'est pas qu'elle est inversée, c'est qu'en fait elle symbolise la croix qui est couchée, qui est par terre. Donc qui veut dire la non-condamnation, le non-jugement, la libération, le fait de ne pas être crucifié. D'accord ? Hein, un exemple tout bête, Jésus, il serait venu dans les années 1600, et ben le symbole de la chrétienté, ça serait une guillotine. Ah bah oui, ah bah désolé, mais c'est vrai, hein. Il serait venu à l'époque du Moyen-Âge, et ben le symbole chrétien, ça serait un bûcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'oubliez jamais que la plupart des symboles, hein, ils ont une histoire derrière, et parfois une histoire qui n'est pas toujours très, très, très clean. Mais voilà, donc pentacle, très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Je l'ai sous les yeux. Je vais pas m'étaler sur le sujet, hein, le livre des ombres, je vous ai fait une vidéo plus que complète, d'ailleurs je vous la glisse là dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller la regarder, le livre des ombres c'est vraiment l'outil indispensable. S'il y a un seul outil que vous devez avoir sur tout ça, c'est votre grimoire, très concrètement. Alors, là aussi, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont avoir plusieurs livres des ombres, qui vont en faire, dès qu'ils ont fini d'en écrire un, ils vont en faire un autre. Il y en a qui cumulent aussi plusieurs types de grimoires, c'est-à-dire il y a le livre des ombres, le grimoire, le livre des secrets, le livre des rituels, etc., etc., etc. Alors, moi, très honnêtement, j'ai pas d'avis là-dessus, je juge pas. Il y en a, ils adorent écrire, donc j'ai envie de dire bah, qu'ils cumulent les livres, moi, je m'en fiche, hein, c'est leur façon de faire. Moi, personnellement, écrire, c'est pas un truc que j'adore personnellement, je le fais parce que c'est vrai que c'est pratique pour poser tout ce que j'ai dans la tête. Donc moi, mon livre des ombres, il fait office de tout. C'est-à-dire, il y a mes rituels dedans, il y a mes pensées, il y a même mes poèmes, il y a plein de choses. Puisque je vous l'ai dit, le livre des ombres, c'est votre journal intime, c'est votre carnet de bord sur votre pratique. Attention quand même, un livre des ombres, c'est la version finie, c'est pas un cahier de brouillon. Donc avant d'écrire vos rituels, etc., prenez au pire un petit cahier de brouillon, vous écrivez vos trucs, vous essayez, vous expérimentez, vous rectifiez, etc., etc. Et une fois que vous avez la version finale de ce que vous voulez mettre dans votre livre des ombres,
là, vous l'écrivez dans votre livre des ombres, d'accord? Votre livre des ombres, au maximum, il doit être joli, c'est-à-dire pas de rayures, de grabouillis, de machin, de... Non, un livre des ombres, en principe, c'est quand même un ouvrage qui est censé représenter le sorcier ou la sorcière, qui est censé représenter notre pratique. Donc, si votre livre des ombres est un bordel monstrueux, ça va en dire long sur vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est aussi pour votre propre plaisir, hein, le fait d'ouvrir votre livre, de voir des jolies choses, même si vous savez pas dessiner, c'est pas grave, vous imprimez des petites fleurs, vous les collez, vous faites du scrapbooking, etc., etc. Vous n'avez pas besoin de d'aller faire des cours dans des grandes écoles de dessin, etc. Non, pas du tout. Vous faites selon vos capacités, selon ce que vous savez faire, d'accord? Donc le livre des ombres, ultra important, hein, je n'en parle même pas. Bon, ensuite, bien sûr, je pense que j'ai même pas besoin de préciser les bougies c'est la chose la plus basique que vous pouvez et devez avoir quand vous pratiquez la magie. Alors vous n'êtes pas obligé d'investir dans des bougies de couleur, d'accord? Vous pouvez très bien utiliser des bougies blanches ou des bougies en cire d'abeille naturelle ou en cire de soja, d'accord? Et c'est vrai qu'éventuellement il vaut quand même mieux utiliser des bougies qui soient le plus naturelles que possible, donc soit cire de soja ou cire d'abeille. C'est vrai que les prix sont pas tout à fait pareils, je vous l'accorde. Mais encore une fois, vous faites en fonction de vos moyens, d'accord? Si vous n'avez pas les moyens de donner 15 balles dans une bougie en cire d'abeille ou en cire soja et que préférez un petit chauffe-plat qui est en paraffine, eh ben tant pis, vous prenez un petit chauffe-plat. Il faut aussi que vous fassiez selon vos moyens. J'ai envie de dire, les énergies, les esprits, ils le voient, ils voient dans les conditions dans lesquelles vous vivez. Donc ne vous culpabilisez pas de dire, bah moi j'aimerais sauver la planète, j'aimerais la protéger, j'aimerais acheter ça, mais je peux pas, j'ai pas les moyens, moi, de mettre 20 euros dans une bougie. Ben c'est pas grave, ils le savent, ils vont pas vous en tenir rigueur. De toute façon, qu'on soit honnête deux minutes quand même entre nous, c'est pas nous à notre échelle qui polluons la planète. Alors si, on est quand même plus de 7 milliards d'individus, c'est sûr que si on réduisait les choses, on aurait un impact. Mais je veux dire, c'est pas parce que vous allez acheter une petite bougie en paraffine, c'est pas vous, votre petite bougie, qui est en train de bousiller la planète, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc déculpabilisez-vous de certaines choses, ok? Et puis pareil, j'aimerais aussi rebondir sur quelque chose. Quand on parle de la pollution de la planète, ça me fait doucement sourire, parce que tout ce que l'on utilise dans notre quotidien est issu de la planète. Donc comment ça peut la polluer? Le plastique, c'est issu du pétrole. Le pétrole, c'est une ressource naturelle que la Terre elle-même a fabriquée. Donc je vois pas comment ça peut la polluer alors que ça fait partie d'elle, hein, ça fait partie intégrante d'elle. Vous prenez par exemple l'uranium, tout ce qui est radioactif, c'est extrait de la Terre, c'est des cailloux, hein, l'uranium, le plutonium, c'est des cailloux, c'est de la lithothérapie, hein, tout ce qui est nucléaire. Et ça provient de la Terre, ça provient pas d'ailleurs. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça me fait rire quand on parle de pollution, parce que tout est question de nuance en fait, tout sort de la Terre, tout ce qu'on fabrique est issu de la Terre. Donc quelque part, c'est pas, ça la pollue pas elle, ça met en péril nous les humains, les animaux et la flore, mais pas la Terre. La Terre, elle s'en relèvera, hein. Dites-vous bien une chose, il n'y a pas besoin de sauver la planète, elle n'a pas besoin de nous pour être sauvée, hein. Dans des milliards d'années, la planète sera encore là, nous par contre, dans des milliards d'années, je suis pas sûr qu'on soit encore là, par contre, hein. Donc, ça, c'était la petite aparté. C'est bien, hein, cette vidéo, vous avez vu, je vous apprends des choses, et puis on part sur d'autres sujets, et puis ça va faire encore une vidéo de 2 heures. Alors, ensuite, autre outil important, la cloche. Alors, la cloche est associée à l'élément de l'air. Je vous fais pas une démonstration pourquoi, hein, le fait de sonner la cloche, ça va faire des vibrations qui vont se propager dans l'air, et donc c'est plutôt un outil qui est associé à l'élément de l'air. La cloche est bien, pourquoi? Parce qu'elle va aussi agir comme un bol tibétain. Donc pareil, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un bol tibétain, parce que c'est vrai que les bols tibétains, bah c'est un petit coût quand même, hein, ça coûte un petit peu cher, et puis pour trouver de la bonne qualité c'est aussi compliqué, donc voilà, qui dit bonne qualité dit forcément dit un petit peu cher, encore que moi j'ai des bols que je pourrais vous prouver qui sont de bonne qualité et que j'ai pas forcément payé très cher, parce qu'il y en a que j'ai trouvé sur Amazon pour une 30aine d'euros et qui sont de très bonne qualité avec le certificat d'authenticité. J'ai pu retracer derrière d'où ils venaient, etc. Et c'était bien fabriqué de façon traditionnelle avec les 7 métaux, etc., etc. Donc non, parfois, qualité ne rime pas forcément avec le prix, hein. Donc attention, ceux qui vous vendent des bols 80, 90 euros, etc., parfois, c'est pas toujours un symbole de qualité, hein. Surtout qu'on sait que... Bref, les marges, etc., etc. Bon, on va pas épiloguer là-dessus.
Mais voilà, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un bol tibétain, une petite cloche, c'est très bien aussi. En plus, une petite cloche, vous en avez toute taille, vous en avez tout prix. Ça fait à peu près le même effet qu'un bol tibétain. Et la cloche, ça va permettre de pouvoir marquer le début du rituel et de marquer la fin du rituel. Et c'est aussi pour pouvoir attirer l'attention. Si vous travaillez, par exemple, une magie dite naturelle avec les élémentaux, ça peut être bien pour attirer leur attention. Si vous faites, par exemple, du spiritisme avant de commencer, ça peut être bien d'attirer l'attention avec votre cloche. Vraiment, la cloche, elle va avoir cette symbolique de d'attirer l'attention. Hein. Effectivement, quand vous entendez une cloche, premier réflexe, vous tournez, vous voyez, vous regardez d'où ça vient, etc. Et ben c'est le même principe. Hein. Les esprits vont être réceptifs, exactement comme nous, à la cloche. Donc une petite cloche, c'est bien d'avoir ça aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Bon, bien sûr, on va avoir aussi les plantes, etc. Hein, que ce soit des petites fioles. C'est vrai que je vous recommande d'avoir des petites fioles que vous pouvez trouver très facilement. Pareil, dans des brocantes, à Ikea, à la foire fouille, des choses comme ça. Vous achetez des petits pots pour mettre vos petites plantes. Vous mettez une petite étiquette, hein, ça va très bien. Il vous faut bien sûr tout ce qui est pratique pour utiliser dans vos rituels. Donc par exemple des bougies, de l'eau. Alors pour l'eau, si possible, essayez de récupérer de l'eau naturelle. C'est-à-dire soit de l'eau qui court dans un petit ruisseau, dans une rivière, dans la mer, à l'océan, dans un fleuve, peu importe. De l'eau de pluie, évitez l'eau du robinet. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet, quand même, elle est traitée, que ce soit déjà avec des produits chimiques, le chlore, etc. L'eau, parfois, elle passe dans des tuyauteries qui sont encore au plomb. Donc, du coup, ça la charge en énergie. L'eau du robinet, honnêtement, pour vos rituels, je vous la recommande pas, c'est la pire eau qui pourrait être en fait à utiliser. Essayez vraiment d'utiliser une eau qui se rapproche le plus de l'élément naturel. Hein. Et puis l'eau, la symbolique de l'eau, vous prenez de l'eau, ça va très bien. Après, vous pouvez aussi prendre par exemple des coquillages. Donc là, moi par exemple, j'ai une petite coupelle. C'est vrai que je vous recommande d'avoir une petite coupelle aussi qui va vous servir d'offrande principalement. Hein, vous allez mettre vos petites choses. Et c'est vrai que vous pouvez prendre pour l'élément de l'eau des petits coquillages aussi. Si possible des coquillages que vous avez ramassés. Hein, que vous avez ramassés directement sur la plage, c'est quand même mieux que ceux qu'on a achetés. Bon, c'est sûr que si vous vivez loin de la mer, que vous n'êtes jamais allé à la mer ou à l'océan, vous voulez avoir des coquillages, ben c'est sûr que vous allez peut-être les acheter. Vous avez bien une amie ou un ami qui est déjà allé à la mer ou l'océan, vous lui demandez de vous ramener quelques coquillages, ce sera quand même mieux que de les acheter, hein, à choisir. Ensuite, qu'est-ce que, bien sûr, les pierres, évidemment, les pierres. Alors, je vous recommande sur votre hôtel d'avoir au moins un quartz. Je vous demande pas d'acheter 10 milliards de pierres, hein, que ce soit bien clair, mais juste au moins une pointe de quartz. Une pointe de quartz assez grosse, j'ai envie de dire, hein. Partez quand même sur une pointe de quartz assez importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, le quartz, c'est vraiment une pierre qui a des propriétés physiques et scientifiques. C'est-à-dire que le quartz, c'est la seule pierre qu'on va pouvoir programmer pour faire un travail spécifique. D'ailleurs, je vous invente rien, hein, mais les montres à quartz, c'est qu'il y a du quartz dedans. Vous prenez par exemple les disques durs, les clés USB, tout ce qui est carte mémoire, etc., etc. Vous avez du quartz à l'intérieur parce que le quartz a la propriété de pouvoir emmagasiner des informations, de pouvoir emmagasiner des codes binaires, etc., etc. Et surtout, c'est une pierre qui peut être programmée, comme je vous l'ai dit, pour réaliser un travail spécifique. Donc, si vous programmez votre quartz pour amplifier votre énergie magique, pour amplifier votre hôtel, le quartz, il faut savoir qu'il est à la fois émetteur et récepteur. Donc ça va à la fois être une antenne qui va diffuser et une antenne qui va recevoir. Et si vous le programmez pour votre pratique magique et que vous faites en sorte de le consacrer pour qu'il puisse amplifier et recevoir et vous aider à amplifier toute la puissance de vos outils, de votre potentiel, etc., etc., et rentrer en résonance avec, vous allez avoir des rituels et des résultats qui seront beaucoup plus intéressants. Donc une pointe de quartz, ça vraiment c'est le seul outil à la rigueur que je vous invite, dans lequel vous allez devoir investir un petit peu, parce qu'une pointe de quartz comme ça, faut compter environ 15 € à peu près. Ça serait peut-être l'outil entre guillemets le plus cher proportionnellement à ce qu'il est. Hein. Ne prenez pas non plus des pointes qui font 4 mètres, ça sert à rien non plus. Mais une pointe comme ça de 5 cm à aller on va dire 10-15 cm type obélisque, ça va très bien. N'allez pas plus haut, prenez pas plus gros, c'est pas la peine, ça amplifiera. Alors si, ça va amplifier plus, mais c'est pas utile non plus, hein. On n'a pas besoin d'envoyer un rituel sur Saturne ou Jupiter, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc
Voilà, ensuite, cloche c'est fait, tout ça c'est fait, Pentax c'est fait, la tamé c'est fait, je voulais vous montrer aussi la bowline. Vous pouvez aussi utiliser des représentations sur vos hôtels. Alors là aussi, niveau statuette, je pense qu'il en existe suffisamment, vous prenez ce qui vous inspire. Ne prenez pas, s'il vous plaît, c'est pas parce que la tradition Wiccan vous dit qu'il faut avoir le dieu et la déesse, qu'il faut avoir la représentation du dieu et de la déesse. Prenez ce qui vous parle, prenez ce en quoi vous croyez. Si vous ne croyez pas au dieu cornu et en la déesse, ne prenez pas ça, c'est complètement idiot. Si par exemple vous êtes, je sais pas moi, vous avez une certaine attirance pour Horus, le dieu égyptien, eh ben vous mettez une statue d'Horus sur votre hôtel. Si vous vous sentez plus attiré par, je sais pas, Hécate, par exemple, ben vous mettez une statue d'Hécate. Si vous vous sentez attiré par, je sais pas moi, Dora l'exploratrice, eh ben vous mettez une Dora l'exploratrice sur votre hôtel. Ben, vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé pour le dernier quand même, vous l'oubliez. Non mais vous avez compris le principe, c'est-à-dire ne mettez pas des choses parce qu'on vous dit que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est comme vous le voulez et comme vous croyez. Hein, si pour vous croyez par exemple aux anges, uniquement aux anges, ben vous mettez une petite statuette d'ange et ça suffit très bien, d'accord? Vous pouvez aussi ne pas mettre du tout de statuette sur votre hôtel, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, en termes de statuette, alors ça va peut-être vous faire peur, je suis désolé. Mais vous le savez, je suis dans mon éveil spirituel et je l'assume complètement. Et déjà en plus, je vous l'ai plus ou moins expliqué, moi ma statuette c'est un Baphomet. Pourquoi? Parce que j'adore sacrifier des chèvres dans les cimetières à minuit. Pardon. Pourquoi c'est un Baphomet? Parce que le Baphomet, c'est vraiment la figure la plus représentative, la plus parfaite dans sa symbolique. Pourquoi? Parce que le Baphomet, il représente... Alors, je vais vous faire un petit cours rapide sur le Baphomet, mais je vous ai prévu une vidéo complète dessus. Déjà, Baphomet, ce nom provient des croisades, lorsque les croisés, les Templiers, quand ils sont partis faire leurs croisades, qu'ils sont arrivés dans les pays arabes, ils ont mal compris le nom du prophète Mahomet, et quand ils sont arrivés de retour chez nous, ils ont traduit par Baphomet. Voilà. Donc déjà, le Baphomet, en fait, ça vient de Mahomet, qui n'a du coup rien à voir avec Satan. On est bien d'accord, hein, voilà. Et en fait, le Baphomet, c'est une représentation alchimique à la base. C'est-à-dire que on a utilisé d'abord la base d'un satyre. C'est-à-dire que les satyres, vous savez, c'est ceux qui ont les pattes cornues avec leur flûte et qui sont les protecteurs de la nature. Mais pas que, parce qu'en fait, ça représente, vous voyez, on a une forme humanoïde. C'est pour, en fait, représenter la fusion entre l'être humain et l'animal. La fusion parfaite entre deux choses qui ne peuvent pas se marier naturellement. C'est-à-dire que si vous essayez de procréer avec un animal... comment vous dire que vous allez donner naissance à un monstre, hein, voilà. Donc là, en fait, c'est la figure de l'être humain et de l'animal, la fusion des deux. Ensuite, on va avoir le caducée d'Hermès qui va être la représentation phallique, donc le masculin sacré. Le Baphomet a une paire de seins pour représenter le féminin sacré. Et oui, je suis désolé mesdames, vous êtes réduites à une paire de seins et nous on est réduits à un zizi. Voilà, super les représentations, bref. Bon, on va pas épiloguer. Et ensuite, vous avez les deux bras du Baphomet qui pointent le haut, qui pointent le bas. Pour dire en fait que tout ce qui est en haut est égal à tout ce qui est en bas. Et sur ces avant-bras, on va avoir solvé et coagula. Solvé, c'est dissoudre. Le fait de, vous savez, les solvants, hein? Et ben, c'est ça. Solvé, c'est du latin pour dire dissoudre. Et coagula, coaguler, c'est le fait au contraire, hein, de rendre les choses solides. Donc en gros, solvé et coagula, ce sont deux contraires et ce sont aussi des notions alchimiques pour symboliser liquide et solide. Donc encore une fois, on a cette relation entre deux contraires. Bien sûr aussi, alors sur certains baphomètes, vous avez parfois sur la paire de seins ici le soleil et la lune pour représenter bien sûr lumière et ténèbres. Et ensuite ici, là, ça, c'est pas du tout les flammes de l'enfer. La petite flamme qu'il a au-dessus de la tête, c'est au contraire la flamme divine, le feu créateur, le feu divin, puisque dans chaque être humain, nous sommes nous-mêmes issus de la soude primitive, nous sommes nous-mêmes issus en fait de la création divine, on fait partie du plan divin. Donc dans chaque être humain, on a une petite partie de divin. Et c'est cette flamme qui représente le feu divin. Et bien sûr, les anges, je ne vous fais pas un dessin, hein, ça représente bien sûr tout ce qui est associé au ciel, à l'aspect divin. C'est pour ça d'ailleurs que l'église se mélange vraiment les pinceaux quand ils ont pris cette figure pour représenter Satan, parce que Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, Lucifer a été déchu de ses ailes. Ses ailes lui ont été arrachées. Si c'est Lucifer qui est représenté là, pourquoi est-ce qu'il a ses ailes alors qu'il est censé avoir été déchu de ses ailes?
Voyez? Pour ça que c'est l'église, sur plein de choses, elle n'est pas du tout cohérente dans ce qu'elle enseigne. Bref. Et bien sûr, en bas, on a évidemment le pentacle qui représente les cinq éléments spirituels, hein, ça c'est classique. Et bien sûr, on a la terre pour l'aspect, et bien tout simplement, du concret. Hein. On peut voir ce Baphomet qui est assis comme ça sur la terre, c'est pour dire qu'il est ancré dans la terre, qu'il est enfant de Gaïa, qu'il est vraiment imprégné de la terre. Donc voilà pour moi pourquoi, pour moi et pourquoi j'utilise le Baphomet comme représentation sur mon autel, parce que pour moi c'est le symbole le plus fort qui puisse exister ésotériquement, énergétiquement, spirituellement et alchimiquement parlant. Il est l'incarnation justement des contraires qui ne peuvent pas se marier et pourtant qui trouvent leur complémentarité et leur fusion parfaite grâce à l'alchimie justement et la magie qui permettent d'associer des choses qui ne sont pas possibles normalement. Voilà. Mais après, donc, libre à vous de prendre la représentation que vous voulez, qu'on soit bien d'accord. Si le Baphomet vous fait peur, vous pouvez très bien vous amuser à le colorier, hein, vous le peignez, vous mettez plus de couleurs, parce que c'est vrai que cet aspect noir, ça peut un peu rebuter, mais je vous assure que vous le feriez en couleur, avec par exemple des teintes de vert, de bleu, etc., quelque chose qui se rapprocherait à la nature, des ailes bien blanches et compagnie, ben vous verriez que vous le trouveriez moins effrayant, je suis sûr. Ça pourrait être un exercice assez sympa d'ailleurs, d'essayer de peindre un Baphomet avec des couleurs un peu gaies pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Ensuite, des petits outils qui vous seront bien utiles et que je vous invite aussi à avoir. Là, pour le coup, ça va pas vous coûter bien cher, alors vraiment, vraiment pas. Mais déjà, c'est une poupée rituelle, donc ça, je ne vous fais pas un dessin. Je vous ai prévu une vidéo parce que c'est vrai que dans l'onglet abonnement, je fais des choses plus privatives pour ceux qui sont vraiment abonnés à la chaîne, abonnés via l'abonnement. Hein. Je fais des choses plus privatives et je vous ai fait une vidéo sur comment réaliser une poupée rituelle. J'en ai prévu une deuxième puisqu'il y en a une en fait que j'ai faite à la main, que je montre comment réaliser une poupée à la main sans l'aide de machine à coudre pour ceux qui n'auraient pas de machine à coudre. Et je vous ai prévu une autre vidéo pour faire une poupée avec une machine à coudre pour avoir un résultat un petit peu plus propre, on va dire. Donc la poupée rituelle, très important, c'est pas du tout pour planter des épingles dedans, qu'on soit bien d'accord. Enfin oui, vous pouvez vous amuser à planter des épingles, mais les poupées rituelles, c'est surtout pas pour faire ça en fait, hein, puisque ça va être pour des rituels de guérison, d'attirance, de chance, de réussite, de protection, etc., etc. On peut faire plein de choses. Donc avoir au moins une poupée rituelle, c'est très utile. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est ruban et cordon. Alors pareil, les rubans, moi je vous recommanderais, vous allez dans votre mercerie préférée, que ce soit Mondial Tissu ou n'importe quoi, ce que vous voulez, 1 mètre de ruban en satin, le mien fait environ un peu plus d'un centimètre de large, ça m'a coûté 1 euro. Voilà. 1 euro, 1 mètre de ruban. Et il va vous en falloir, j'ai envie de dire, de toutes les couleurs. Alors, moi j'ai pris rouge, orange, jaune, vert, bleu, rose, violet, marron, noir et blanc. Pourquoi ? À quoi ça va vous servir les rubans et les cordons ? Alors, ma pratique magique repose beaucoup sur les liens, les connexions, et c'est vrai que travailler avec des poupées, des cordons et des rubans, j'adore. Vraiment, je trouve que ça permet vraiment de bien symboliser quelque chose quand il y a un lien qui soit positif, qui soit négatif, peu importe, ou quand on, au contraire, qu'on veut créer des liens. Je trouve que les cordons et les rubans, avec les petites poupées, c'est topissime, et surtout, ça permet d'avoir une image très précise de la situation, c'est-à-dire que si par exemple on a une personne loin, on va mettre la poupée le plus loin de l'autel, etc. Vous voyez, ça permet vraiment de placer votre intention et quand on veut rapprocher quelqu'un, ben on va rapprocher la poupée, etc. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une sorte de manipulation à faire, comme si on manipulait vraiment la situation, les personnages, les énergies pour créer quelque chose de nouveau. Et du coup, les poupées et les rubans, je trouve que c'est le meilleur, c'est le topissime pour manifester ceci. Alors, niveau code couleur, ça va être comme les bougies, c'est-à-dire que lorsque vous connaîtrez votre code couleur, enfin les couleurs plus ou moins à quoi elles sont associées, après, libre à vous d'associer vos propres couleurs, hein, encore une fois. C'est-à-dire que le rouge, très souvent, c'est associé au sang, à la passion, à la force sexuelle, à la force vitale. Si pour vous, ça symbolise l'amour, eh ben c'est l'amour, et puis voilà. Si pour vous, le rouge, ça symbolise l'argent, eh ben ça symbolise l'argent. Vraiment, ne vous formatez pas à ce qu'on peut trouver dans les ouvrages, etc. D'accord ? N'oubliez jamais que ce sont des personnes qui les ont écrits derrière et qui ont leurs propres convictions. Donc si leurs convictions ne vous conviennent pas, libre à vous de faire vos propres codes couleurs. D'accord ?
Donc on va dire, pour vulgariser, je vais quand même vous présenter le code couleur. Donc le rouge, c'est pour tout ce qui est force vitale, sexuelle, le sang, l'énergie vitale, etc. L'orange, ça va plutôt être tout ce qui est associé à la chance, pour moi en tout cas. L'orange, c'est tout ce qui est associé plutôt à la chance. Le jaune, tout ce qui est énergie solaire, la vitalité, mais la vitalité au sens l'énergie, la santé, vous savez, ce qui nous alimente, le feu intérieur qui alimente notre corps et qui nous permet de nous lever le matin, etc., etc. Donc tout ce qui est associé aux énergies solaires. Ensuite, on va avoir le vert qui lui va être associé à tout ce qui est abondance, plutôt abondance et espoir, hein. On dit souvent que le vert c'est la couleur de l'espoir, donc ça va être plutôt l'espoir et l'abondance. Et moi, souvent je le couple avec le marron. Pourquoi? Regardez, je vais vous montrer une symbolique toute bête. Le marron, pour moi, représente la terre, et au-dessus de la terre, vous avez les végétaux. Comme la peau, vous avez l'épiderme et le derme, qui est plus profond. Et ben, tout ce qui est vert, pour moi, je vais l'associer au concept de végétation, c'est-à-dire tout ce qui pousse à l'extérieur, qu'on peut avoir en extérieur, donc les fruits, les légumes, les fleurs, etc. Donc vraiment cet aspect d'abondance et de récolte. Et en revanche, le marron, je vais vraiment l'associer pour tout ce qui est ancrage et les choses plus profondes, c'est-à-dire tout l'aspect de biens matériels, les fondations, l'ancrage, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on tombe, on plante nos graines, on les plante dans la terre, on récolte en surface, mais on plante en profondeur. Donc pour moi, le marron va plutôt être associé à tout ce qui est ancrage, tout ce qui est vraiment la force, les racines, les origines, etc. Le violet va bien sûr être pour tout ce qui est spirituel, tout ce qui est lié à la magie. Le noir et le blanc, alors là, c'est vous savez que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, ce sont des valeurs, hein. Donc le blanc, lui, va plutôt être pour des choses neutres, c'est-à-dire je veux travailler un rituel, mais sans y mettre d'intention, sans y mettre de choses particulières, bah, je vais travailler dans la neutralité avec le blanc. Le noir, ça va plutôt être pour, au contraire, capter des énergies, puisque là aussi, je vous apprends rien. Mais en été, il vaut mieux porter du blanc parce que le blanc, en fait, va attirer toutes les couleurs et par conséquent va générer moins d'énergie. C'est pour ça que vous avez moins chaud quand vous portez du blanc, parce que le blanc attire toutes les couleurs, il va absorber toutes les couleurs. Par rapport au noir qui lui aussi va absorber toutes les couleurs, mais en fait, le noir, lui, va les absorber mais il les renvoie pas. Donc c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup plus chaud si vous portez du noir en plein soleil par rapport au blanc qui va les absorber mais qui va les renvoyer, hein, puisqu'en plus le blanc, c'est la lumière originale. Et lorsque vous faites passer de la lumière blanche dans un prisme, vous allez avoir un arc-en-ciel qui va sortir. Ou à l'inverse, si vous faites rentrer un arc-en-ciel dans un prisme, vous allez avoir un faisceau de lumière blanche. Donc concrètement, la lumière noire, il n'y en a pas. Le noir, en fait, capte tout, mais il renvoie rien. Donc c'est pour ça que vous aurez toujours plus chaud. Donc le noir, c'est pas forcément pour des travails de magie noire. Non, c'est plutôt pour capter des énergies et ne pas les renvoyer, en fait, pour absorber des choses, d'accord? Comme par exemple, bah, tiens, un exemple tout bête. Mais imaginons que vous fassiez un rituel de santé pour absorber la maladie, le noir pourrait être bien, parce que du coup le noir va absorber la maladie, mais sans la rediffuser, sans la redonner, vous voyez, donc il va vraiment juste absorber, comme un trou noir, il va absorber la maladie et il ne renverra rien, donc c'est bien le noir parfois pour travailler avec. Le rose, on va plutôt être sur les romances, l'amitié, l'amour, l'amour aussi en règle générale. Et puis le bleu, alors le bleu, le bleu, il y en a plus. On n'est pas tous d'accord sur le bleu. Moi, je donne ma version. Le bleu, pour moi, je l'associe à tout ce qui est ciel, tout ce qui est céleste, tout ce qui est divin, tout ce qui est travail avec les anges. Tout simplement parce que le bleu, bah, le ciel est de couleur bleue. Donc, du coup, j'associe le bleu à tout ce qui est céleste, mais aussi à tout ce qui est rattaché à l'élément de l'eau, hein. Donc, voilà pour les codes couleurs. Comme vous avez pu voir, du coup, ça me fait combien ça? 8, 9 rubans. 8, 9 rubans à 1 euro le ruban. J'en ai eu pour 10 euros de ruban. Voilà. Sachant que les rubans, c'est quelque chose qu'on réutilise, hein, vous n'avez pas besoin d'en couper, etc. C'est quelque chose qu'on réutilise, donc une fois que vos rubans sont achetés, ils sont achetés, il n'y a plus besoin d'en acheter d'autres. Ensuite et enfin, je regarde, excusez-moi, hein, je regarde, mais je crois que j'ai fait le tour de tout au niveau des accessoires. Le dernier outil, c'est la baguette, évidemment, qui est la plus emblématique, hein, la baguette, merci Harry Potter. Mais la baguette, elle est rattachée à l'élément. Alors, là où, c'est là où on n'est pas d'accord, c'est qu'il y en a. L'atamé, il le rattache à l'élément de l'air et la baguette à l'élément du feu.
Ça ne me parle absolument pas du tout. Moi, dans ma petite tête, non, le métal est forgé dans le feu, donc pour moi, attamé égale feu. Et la baguette, au contraire, permet de brasser de l'air, permet d'ordonner, permet de lancer son intention. Donc pour moi, la baguette est plutôt associée à l'élément de l'air. La baguette, s'il vous plaît, les amis, essayez de la fabriquer vous-même. Vraiment, ça, j'y tiens. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que la baguette, c'est vraiment le prolongement de votre bras, déjà. Donc en principe, une baguette, pour savoir à peu près la taille qu'il vous faut en baguette, vous partez de votre coude jusqu'à à peu près votre majeur. Et ça vous donnera la longueur de votre baguette idéale. La baguette, vous pouvez la faire en plusieurs bois, que ce soit du sureau, que ce soit du coudrier, noisetier, que ce soit du chêne, que ce soit du frêne, du hêtre. Tous les bois n'auront pas la même signification et en fonction du travail que vous voulez faire, si par exemple vous voulez plutôt faire de la magie dite blanche, de la magie solaire ou de la magie associée à des soins, vous allez partir sur du bois de chêne. Si vous voulez au contraire travailler vraiment l'aspect assez sombre de la magie, enfin plutôt ambivalent de la magie, on va plutôt partir sur soit du sureau, soit du coudrier. Hein. Vraiment, c'est en fonction du travail que vous voulez faire. Mais plus simple, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas connaisseur en termes de bois, vous allez en forêt, vous baladez. Avant de partir vous balader, vous faites une petite prière pour demander de l'aide pour trouver votre baguette. Et le premier bâton que vous allez trouver, si possible, il faut le trouver par terre. Hein. On part du principe que la nature va vous offrir. Donc vous prenez déjà le bois qui est par terre. Si vraiment vous ne trouvez pas et que vous flashez sur une branche qui est sur un arbre, vous demandez l'accord de l'arbre avant de lui scier un doigt quand même. Hein. Je pense que vous voudriez qu'on vous demande votre avis avant de vous scier la main. Non, je sais pas, ça paraît logique. Donc avant d'arracher un arbre, vous lui demandez la permission, vous lui offrez vous faites une petite offrande. Vous mettez un petit peu de terre là où vous avez coupé la branche, vous mettez de la terre, ça permet de pouvoir cicatriser hein, le bois. Ça paraît bête à faire, mais voilà, c'est question de logique et de principe. Et ensuite, vous décorez votre baguette comme vous en avez envie. Vous pouvez y placer une pierre en bout, vous pouvez mettre du fil de cuivre tout le long, ça va permettre, pardon, de servir de catalyseur pour diffuser l'énergie. Vous pouvez y mettre des rubans. Enfin bref, vraiment, vous pouvez graver des runes. Vous pouvez mettre après de l'huile de lin, etc. la protéger. Vous faites vraiment tout ce que vous avez envie de faire. Elle doit vous ressembler vraiment. Et puis voilà. Et puis je crois que c'est tout les amis, on a fait le tour de tous les outils, en tout cas les outils principaux, hein. Si j'oublie des choses, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous montrer les outils secondaires qu'on peut utiliser, mais là déjà si vous avez tout ça, c'est déjà plus que très très bien et c'est plus que suffisant pour faire votre pratique. Et comme je l'ai dit, dans l'extrême vous n'avez même pas besoin de quoi que ce soit, hein, puisque vous pouvez très bien partir de rien avec juste une bougie et un morceau de papier et ça fait très bien l'affaire aussi. Hein. Voilà mes chers amis, j'espère que ces vidéos vous aura plu, que je vous aurai appris des choses. Moi, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.